les fruits de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les riches et les pauvres se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Celui qui a la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide.